Pour moi, le sport, c'est avant tout le respect, le fair play. Et donc j'étais vraiment très heureuse, très fière de rapporter cette médaille le jour de l'ouverture des Jeux. Un an plus tard, j'ai appris que j'avais été contrôlée positive. Les premiers impacts sur ma vie, ça a été déjà d'arrêter de m'entraîner. Revenir de cette injustice, ça a été le plus gros défi de ma carrière. J'ai choisi, durant cette période, de me reconstruire. Lorsqu'on m'a lavé de tout soupçon, ce fut comme une rédemption. Je dois toujours aller de l'avant malgré tout ce qui peut se mettre en travers de mon chemin. Et je l'ai fait. Je suis allée combattre aux Jeux de Rio en 2016. Pour moi, ma carrière, elle se terminera quand je l'aurai décidé. Poursuis ton rêve, quoi qu'il arrive.